السلام عليكم ومرحبا بكم أنا رفيق بن مرزو ونحن في حلقة جديدة من ايكولوجيا بودكاست في الحلقة هذه باش نحكيو على كونسيبت ليجيكولوجي وعلاقته بالتقنيات نتاع التربية والايكولوجيا فرد وقت مش تكون معانا مدام ليندا مقنم باش تحكي على الموضوع هذا على امتداد الساعة نتاع نتاع الحصة لتذكير إيكولوجيا بودكاست هي منصة إعلامية بيئية من إنتاج ستارت أب وايس والحلقة هذه مدعم تمويل من فونداسيون فريدريش شابيرد مدام ليندا أهلا وسهلا على السلامة عرفتك شنو أحوالك؟ يعيشك ميرسي ميرسي بوكو لانفيتاسيون مرحبا آه، ليندا أنا الحق ما كنتش نعرف برشا على الكونسيبت هذا وحتى على انت العالم اللي انت فيه حتى اللي هكا بزهر تعديت للارش اللي هو المشروع اللي انت تقوم به انت انت في العالم نتاع المشاريع الاجتماعيه وتسألت وشفت برشا حاجات قلت والله ساسري بيان وتجي بحذنا وتحكينا ايه على الايديكولوجي ككونسيب في المطلق ولا الديناميك اللي, اللي انت صنعتها هذه في في الارش. افيك <applause> غون بليزيغ بيك <بيكارفت>. على فيت. <applause> كومونسي شنو ليديكولوجي Euh, L'éducologie, bon, on va dire que c'est un concept. Euh, c'est un mot que j'ai emprunté à Pierre Rebhi, qui est un penseur paysan et philosophe français qui vient de décéder. Euh, c'est un mot valise, en fait, écologie ou euh, éducation. C'est une compression de euh Alors, je commence par l'essentiel. Aktari ils entendent éducation à l'écologie. <mérantie> bah, bah, ton bah, ton alors bah, que bah, non, je redis non, l'éducologie ce n'est pas une éducation à l'écologie, mais c'est une éducation écologique qui est elle-même écologique. Je m'en ai une éducation écologique, c'est une éducation qui est elle-même respectueuse de la nature de l'humain, de son apprentissage naturel, de l'humain dans son environnement. Maintenant, un un humain. Il y a encore l'écologie. Raho, c'est la science de l'habitat, de l'interaction avec l'écosystème. Troucha ali, une entité isolée de l'écologie ou ouais, ouais. ah, l'écologie elle est là je exactement il est en lévitation où il est là où il peut intervenir quand il veut sur ce qu'il veut euh, je trouve que c'est complètement erroné voire même très dangereux comme pensée ouais, très égocentrique ouais. et, très, et très dangereux ouais. tu fais de la sensibilisation à l'écologie non, je suis en plein écologie. Je l'exerce. Je suis, en, dans un écosystème qui est euh, certes urbain, oui, euh, une dominante d'humains, euh, très très faible en végétaux. Il y a quand même un à amurain mais les animaux, il y a de manière très fréquente et normale. Les clés les qui ne sont pas domestiqués, ils sont dans notre environnement. C'est déjà de l'écologie, y a ni, mais je n'ai pas, ou je n'ai pas chez la nature telle que on l'entend, fi, muhaillat na romantiqueya, lihi el rab, wjbel, w'sahra, w'l'océan, etc. Manat ha. Donc voilà. Nous montons plus à cœur, manat l'écologie, qu'effet, elle peut être dans le respect physiologique de l'humain, qu'effet, elle, elle le met en plein, en action. Mahouche, il est isolé de son environnement, il est dans l'environnement et il exerce dessus euh, يعني, son impact et il t'amène aussi l'impact de la nature et de l'environnement sur, yani sur, mm. sur, voilà, sur lui. Donc, c'est vice-versa, c'est tout ça ensemble. D'accord. Donc, il y a beaucoup de philosophies de l'être, c'est-à-dire qu'un être est connecté et est présent dans l'environnement qui l'occupe tout le je pense qu'on ne peut pas la transmettre, on ne peut que l'exercer au quotidien. La transmission, c'est important. La femme a des valeurs qu'on doit réussir, nous, de notre génération, à véhiculer autour de nous. Mais en les exerçant je vais l'exercer obstacles là je vais me poser la question dans mon exercice de humain donc une particule dans un écosystème euh, kif, kif donc je l'exerce tous les jours je l'exerce dit... les atomes pas fonctionner indéfiniment la plus importante c'est la molécule donc une formation, qui est euh, un réseau d'humains, c'est beaucoup plus important. Donc, avec toi à la fête aujourd'hui à Écologie Podcast, je encore. je l'exerce l'écologie et l'éducologie au quotidien en faisant des choses qui ne peuvent pas, au moins, avoir un impact négatif sur euh, le BIA. Dans le sens général du terme, et aussi sur l'autre humain. D'accord. Donc, je prends l'éducologie en tant qu'approche de manière générale éducative ou pas, mais je ne suis pas dans une démarche qui est respectueuse de l'humain. Je mm ne -hmm. suis pas dans une démarche qui est respectueuse de l'humain. Ou les besoins, ou les attentes, ou les attentes. Ou, ou aussi, hata le rythme qui est oscillatoire, mta el on n'est pas constant, ça rate, on est en forme, ça rate, on n'est pas en forme, ça rate, on est en mode épanche très très disposé à apprendre, même à notre âge maintenant, et ça les on est en mode ruminant, On mais une coquille ou non, quoi de la claque je l'intègre, donc peut-être dans un processus d'ancrage aussi. Donc il faut être conscient de tout ça, vimoram, l'état de de manière générale, pas

Comment je peux être la meilleure version de moi-même? le vivant qui est autour de moi. Le vivant a commencé par la planète, dans un langage complètement généraliste, la faune, la flore, l'environnement, l'île vit, sa propreté et l'humain qui cohabite avec moi et j'ai la chance de côtoyer. Voilà. Est-ce que tu te les mécanismes éducatifs qui مع القليله في بلادنا أسكو ينجموا يعاونوا مش نجموا نحن نخلطوا لل لل ايتا دو دو كونسيونس ولا دو ريسبي ولا أه... صعيب برشا س... <applause> ما نعرفش على خاطر خاطر J'aimerais vraiment être genre de personne a euh, euh, le côté positif des choses, qui le, capitalise, on le capitalise, sauf que malheureusement, on traîne un boulet énorme. On le traîne, on le traîne, on le on traîne, moi, je ne le cautionne absolument pas. J'ai beaucoup de mal. Je lui ai fait son procès depuis mon adolescence. À la Tunis ou à la li Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pas. Il y a un dénominateur commun à l'école, le concept d'école de manière générale. Je pense qu'il porte préjudice à l'être humain. L'apprentissage classique, niche a à toutes les écoles du monde. Bien sûr, il y a des écoles qui sont vraiment dans des démarches extraordinaires, mais l'école dans le sens classique du terme, elle est absolument pas respectueuse des lois physiologiques de l'apprentissage. Yarani, un être humain, enfant encore plus, il est obligé de rester assis pendant plusieurs heures. Plusieurs enfants qui regardent tous la même direction, un adulte qui profère des vérités absolues pendant des heures, ou de une matière, 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 matière pendant des heures, et sa vie, c'est 80 de ça dans un environnement complètement bétonisé, isolé, donc du vrai monde, ou où il va passer 14 ans de sa vie à faire ça. <muchempe> euh, ça, ma, ni, je ne peux pas cautionner ça. Ma, ça porte préjudice à un autre monde. Il y a des gens qui ont en train de Toutes ces années, entre ces murs de béton, ils des adultes qui maîtrisent certainement leur matière. Al ma, nat, mais ça n'étais pas intéressé. ça c'était plus beaucoup plus porté sur quelque chose de plus concret, sur du sport, sur de la musique, sur euh, sur de la géologie. Ça peut être des choses parfois très très ciblées et très très fines, mais j'étais obligée de rester assise ah. à recevoir des informations qui bon, Des fois ça m'a servi, la pour pour pas être complètement sceptique, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas beaucoup servi ou alors je les ai pas intégrées en fait, j'ai pas intégré ok femme notion révi notion de thermodynamique à ma donc l'apprentissage aussi la deuxième chose à part la sédentarité c'est euh, à nous il est complètement isolé du réel donc on est dans des salles fermées à apprendre théoriquement quelque chose qui pourrait nous servir potentiellement à un moment de la vie même là toujourstége

la segmentation des domaines d'apprentissage, comme si ils ne sont pas du tout liés, comme si la littérature et euh, la physique ne peuvent pas aller ensemble. C'est deux choses complètement séparées, alors que dans la vraie vie, non. Mmh, mmh, en fait, mmh. la preuve en est, c'est que dans les, euh, les savants, les encyclopédistes des autres siècles, mmh, mmh. quand peintre, euh, hey, il, est, il est médecin euh, légiste, peintre, euh, architecte ouais, et ouais, musicien. Euh, ouais. Ouais, Donc, ouais. c'est la preuve qu'on ne peut pas découper, manata, le monde de l'apprentissage, de cette manière. Ah, ah, ah. Allez, as mal y hacké, mm, mm. La musique et la physique, c'est mm. un corps. Mm. Ça n'est pas mm, deux, mm, en fait. Mm, mm. Donc, euh, voilà, en fait. Euh, moi, je trouve ça ahurissant et euh, ça, ça me pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, J'ai jamais mm. intégré... Euh, Kadesh, c'est très psychorigide ce qu'on nous demande là maintenant aux adultes. On en a conscience. C'est bien. On peut un peu agir dessus, mais à nos enfants, ça Sarat, ils sont très portés. Ils ont, ils ont aussi des fenêtres de sensibilité les enfants en fait. Et ça, c'est un terme qui est ou normalisé par les sciences, par les neurosciences maintenant ils ont des fenêtres d'intérêt et de fenêtres de sensibilité. Là, aujourd'hui, petit X, il est très porté euh, sur euh, la mécanique des fluides, qu'il appelle pas comme ça parce qu'il a 5 ans. Mais lui, il est là dans une grosse flaque d'eau et il peut intégrer beaucoup plus de notions de physique mmh. radicales. Qu'en étant devant un tableau noir et un adulte qui gesticule des mots complètement compliqués. Mmh, mm, mm. Donc, euh, donc et même, donc, non, petit X qui est intéressé à la mécanique des fluides, on lui demande de ne pas s'intéresser à ça parce que c'est sale, de jouer dans les flaques de boue, <laughs> <laughs> mais de s'intéresser une heure par jour aux mathématiques, trois quarts d'heure à la lecture. Euh, 30 minutes à la récitation et euh, une heure de géographie. Alors que où aller En fait, et est les enfants, ils ont quelque chose de très spécial, c'est que quand ils s'intéressent à quelque chose, ils développent comme ce sont, ce réflexe obsessionnel et compulsif, un besoin urgent d'apprentissage. Ou généralement, beaucoup d'entre eux, ils ont ça, tant mieux pour eux. Elle dit, genre, il a souvi un besoin. ⁇ il y a un besoin prime, un besoin, genre le palier maximum. Il y a un palier d'apprentissage, il valide. Tu ne peux pas lui demander d'être polyvalent et ultra spécialisé dans chaque domaine. Lui s'intéresse à ça. Voilà. نتصور اي واحد يبورت اون ريفليكسيون ان بو بروفون ينجم يخلط خاطر كلنا سي سا سي دو بون سونس سي ان بون سونس سي دو بون سونس مي ما با سوف كو كان تحسبها ان ايشيل بلو لارج يعني نحنا نحنا لابروش ادوكاتيف ماسيف هذه بدات من بعد الاستعمار نتاع فوالا خلينا نثقفوا الشعب نربيوا الشعب اكسترا من بعد كي تحسبها على الكونتيتي معقده الحكايه كان كل على كل صغير باش تعمل له اون ادابتاسيون يعني اللي هو mm. جو فوا با ze, آه لي, ثم أبوeldين ثم أبوeldين في اي سي تو رياليست لا سي با فيزابل ثما بلدان ثما بلدان مشاو في دي mm. ديمارش سي انوفون واللي بتتر عندهم اون سيرتان فليكسيبيليتي اون سيرتان معرفش لي بي سكاندناف مثلا وي mm. واللي خذاو اون ديستونس كريتيك على على معرفش بتتر الطريقه هذه نتاع تا فيجرت بعده mm. ولو يقراوا اقل ولو ي Bar, aye, en plein air. Mais, mais, je sais pas. C'est un constat. Mais, c'est une réalité. Bon, ou à avoir conscience là, où, déjà, euh, c'est pas mal. Aye, aye, aye. Mais j'ai l'impression qu'ici, à notre échelle, il n'y a pas beaucoup de conscience. Mmh. Fissa, fissa, tu vas te buter à un mur, les kiffes, moi. Kiffes, on à C'est de l'utopisme caduc, des adolescents rebelles, ou ça y est, le mot Il y a une possibilité d'améliorer, déjà, d'écloisonner l'école. Les écoles en plein air, ils sont censés coûter beaucoup plus cher que les écoles dans nos environs, et on sait très bien ce que ça coûte en bâti. Mm. Euh, il y a moyen de faire euh, des effectifs à cal par classe. Il y a le moyen, partons de ça, et on sait ce que ça coûte. Il y a moyen de faire plus d'enseignants, de mieux les payer, de mettre plus un enseignant avec un groupe à cal. Il y a moyen de faire... Il y a un apprentissage mixte avec. On sort un peu et on fait un peu à l'intérieur, puisque de toute façon, on n'a pas les moyens de faire immédiatement une révolution du jour au lendemain. Il y a moyen aussi de. Et c'est incroyable que ça change tout. Euh, la disposition de la classe en cercle ou à l'enfer à cheval. Mm, c'est pas sorcier. « T'as ou t'as ou mm, redouas béh, ma mm, taïnaj mouir spouh, l'kol ham ya amlouha. » Bon, la classe n'est pas moctave, bien sûr, ou les mises à le faire à ce qu'il y des bébés de sa cœur. On sait très bien comment ça se passe. <coughs> Donc rien que changer la disposition des tables dans la classe, ça peut changer la qualité des échanges. Parce que déjà, les enfants, dit enfants les enfants, oui, il y le C'est très important aussi l'échange qui est entre pères je mm, mm, mm. ah. dans cet échange-là, dans cette synergie, شنو, بعن, ça aide aussi un peu à éradiquer l'esprit de compétition et de excellence et de la course au premier. Ça aussi, c'est mm, très mm, important, mm, c'est mm, toxique mm, pour mm. nos enfants. Mm. pas une course éternelle. آه والله <سؤال> إي حتى لو كان تنجمش تعمل <سؤال> حاجة لارج <سؤال> مي سا بوري إيتر إنتيغسون دو فير دي زيسي وي تنجم تعمل أون إيكول <سؤال> ما نعرفش تسميها إيكول <سؤال> ناتور ولا أون إيكول أسيل أوفار و تجرب تجرب أن كونسيبت

il absolument, ah, ça rousse, ça oui. Il y en a aussi, il y a. par exemple, d'abord, il le programme étatique. Les émissions <coughs> Oui, il... ou les Sinon, ça y a les écoles internationales qui <coughs> appuient sur le programme d'une autre pays avec des accréditations de autre Mais on pas de parachuté. n'est pas ils ne sont pas sur le contenu, ils sont sur les objectifs pragmatiques d'apprentissage. Alors, soit par exemple, un enfant de 7 ans doit absolument savoir compter jusqu'à je ne sais pas quoi, remplir un tableau d'addition et je ne sais pas, peut-être aller jusqu'aux multiplications. Il y a des critères pragmatiques. Du coup, en tant que parent, je me des l'instruction en famille, elle est

Voilà. Ici, on n'est pas sur ces objectifs pragmatiques parce qu'on sait très bien qu'il y a des enfants scolarisés et qui encore à 14 ans ils le ils font pas des multiplications mais ils sont en train de passer parce que le contenu, il est là. mais mm kaveyamta -hmm. un objectif. Donc tu fais, c'est des modules à valider. Voilà. <coughs> خرجوا في بالهم راجل ومرته باش يعملوا فواياج بالكرهبه كل موا يا اخي شدوا ثنيه ونساو روحهم قعدوا 17 سنه اه نساو روحهم نساو روحهم جمله قعدوا 17 سنه في كرهبه نفس الكرهبه اوكي okay. وانتر تون ثلاثه صغار تولدوا وعاشوا في الكرهبه هذيك وقعدوا يحوسوا من بلاد لبلاد سارتان مومون لا كيستيون تاع القرايه تاع صغار طرحت آه، كيفاش لقاو حل في الاخر انه الام لقات اون آه، فورم دو اومولوغاسيون هكا من عند وزاره التربيه الارجنتينيه باش تقري صغارها ومن بعد هما ينجموا ي... يعودوا يدخلوا في الكورسوس كلاسيك متاع Donc, déjà, en résonance avec ce que vous avez dit. En Tunis, ce n'est pas interdit. En Tunis, c'est complètement interdit l'instruction en famille. Il y a quelque chose que vous pouvez comprendre parce que il y a beaucoup de familles qui vivent dans une misère extrême, qui sont obligées de déscolariser leurs enfants pour qu'ils puissent dormir ensemble

باش نعملوا انستركسيون فامي ويحبطوا يخدم وفما منهم هو مما في القانون هذايا ومعناتها ايه mm -hmm. ما خلاتناش نمنعوا معناتها ان كرون تو دو ديكروشا سكولير دو عباد نو جامي تي سكولاريزي دون لي زون معناتها هو حق في معناتها ظلم في حق طفوله ولا القرايه في حدتها كرفي للبو فهمت باش تهزوا باش توصلوا باش ترجعوا باش تصرف عليه تصرف Donc voilà, mais c'est معناتها مش مفهمش علاش, c'est pas parachuter ou comme attaqui m'a قلت m'enage mouch yamlo du cas par cas. Donc on prend les solutions de facilité généraliste et dans un mm -hmm. une réflexion quasi carcérale en fait mm -hmm. de l'école. OK, I hel, دخل à partir de 6 ans, autre l'autre l'autre. Tu as appris tu as tu es là, tu es en sécurité معناتها et l'état il paye son dû. Mack, voilà, Halsemak. Au fur et à mesure, à la خاطر

Il faut mm. sortir le deuxième parent, mais il y a des enfants. Mm -hmm. Il faut leur inventer une petite boîte mm -hmm. où ils sont en sécurité avec une petite valeur mm. euh, ajoutée. Il y a un proverbe Yajibniana. il faut tout un village pour élever un, un, un oui. enfant. C'est un proverbe africain. Nous هذا un proverbe africain. مالوريزمون على خاطر المدن وعلى خاطر حتى في المدينه العباد بعدوا على بعضهم لكن بتتر لازم لازم دي كونسيبت جدد لازم طرق جديده باش نجم اكل سيت ديفيرسيتي هذه نتاع نتاع لو سافوار على خاطر ان مش كان يعني العباد ما زاد تو ليكو في حد ذاته يل بو يل انسيني وهوني سمو

avec un apprentissage ancré pour toujours, ça s'inscrit dans l'ADN. C'est pour toujours. Il tara mm. d'hatta les générations libat euh, en manipulant hatta bshtwakel bagra, andk l'henné le gort, bala ou l'henné andk le mangeoire.

aussi vers le réchauffement climatique un peu mais il y a plus de saisonnalité en fait marche pas acheter acheter aussi si en fait on dirait qu'on vit dans une grande longue saison interminable ça a fait des soubresauts météorologiques donc qui il y a plus de sens à la saisonnalité de malèche il faut pas la traire à cette heure-ci la vache malèche il faut manger les tomates à telle saison fa malèche les agrumes poussent en automne

L'apprentissage par le grand groupe, la famille ou le village dans le sens large, euh, on va dire hata la communauté dans le sens le plus large, c'est très important d'apprendre, euh, les uns des autres d'une manière qui est complètement euh, horizontale et en réseau, où quelqu'un dit donne le meilleur de lui-même. Moi, en travaillant avec les enfants aujourd'hui, j'apprends de. Ils sont déjà à cet temps excellents dans une certaine discipline qu'ils peuvent me transmettre, ou l'amour de ces disciplines, ou au moins un petit lot de connaissances. Mmh. » euh il excelle, on ne peut pas être bon partout. Et Kolwhed, il peut transmettre à son prochain, que son prochain n'est pas forcément une génération plus jeune. Hein. Mmh. Ça, il faut l'entendre. Vraiment, c'est horizontal. Euh, quelque ce qu'il a de meilleur. Et c'est comme ça, quand on peut... nest pas, Pas en écrasant et en étant lui le meilleur. Dans, de manière absolue, je ne pense pas que ça puisse exister. Ou, on va durer longtemps, nous, l'espèce humaine, sur cette planète. Oh. <laughs> Who knows? Je ne sais pas, je suis un peu sceptique. Ah. Peut-être, oui. Ouais. Mais, mais si on continue justement dans ce système d'excellence de et de compétition, et je dois écraser quelqu'un d'autre pour être mmh. moi le premier, j'ai un gros. C'est fait que... un effet de cascade. <laughs> C'est en partie grâce à cette. Alors que tu, est, est cet égo tu es excellent, Tu euh, euh, as la synergie de mm, nos deux apprentissages. Mm, c'est vraiment 2 plus 2 mm, égale à 5. Mm, c'est mm, pas égal à 4, mm, c'est égal à 5. Mm, c'est ça la synergie mm, en mm, fait. Mm, Et euh, donc voilà. Mais à l'arche L'arche. L'Arche euh, Jardin Éducologique, c'est euh, une entreprise euh, sociale et solidaire. Euh, L'idée, elle était née en 2013, donc il y a exactement 10 ans maintenant. Euh, on a fait une formation et on est revenu en 2014. Euh, bref, c'est un projet qui vraiment euh, a mis beaucoup de temps de gestation, donc 8 ans de gestation pour enfin voir le jour en novembre 2020. Plus euh, la gestation elle est longue et plus l'accouchement est dur. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, finalement, euh, c'est euh, grâce au confinement de mars 2020 euh, que j'ai pu me dire euh, voilà, j'ai plus rien à perdre, plus rien à gagner. Il faut vraiment que je me lance et de la manière la plus simple. Kengit Msaïba denia sans aucun impératif, qui fait que je me lance. Donc on s'est lancé en faisant des, des ateliers itinérants, euh, des veilles d'accompagnement éducologique, euh, des petits ateliers de jardinage créatif euh, ou de peinture. En fabrication de peinture. On a fait aussi des, euh, des ateliers un peu militants de fabrication de bombes de graines. Moi, c'est mon activité préférée. Bombes de graines Oui, les bombes de graines. Pour moi, l'activité, elle résume vraiment l'ADN de l'Arche. Mm -hmm. C'est ça, c'est bien, on fait ensemble, tout en jouant, tout en profitant de l'aspect complètement sensoriel de ça, mais on va sauver vraiment la planète grâce à ça. Pourquoi Parce que ces bombes, en fait, on va mettre des graines dedans. Quoi Des graines de quoi Des graines de fleurs. Et pourquoi des fleurs Parce que c'est beau Oui, c'est beau les fleurs, mais pas que. En fait, les fleurs, c'est bon pour les abeilles. Mmh. Ou oh, allez-je, les abeilles, elles sont bonnes bah, Parce que les abeilles nous donnent du miel Non, pas que. Les abeilles nous donnent du miel pour qu'on soit plus fort physiquement, mais aussi, elles, elles pollinisent. Donc, s'il n'y a pas d'abeilles, en gros, dans deux automnes, tu mangeras plus de grenades. C'est très simple, c'est très simple. Et très souvent, en fait, dans ce genre d'atelier, il y a beaucoup de discussions passionnantes comme ça. Donc, la discussion, elle m'intéresse beaucoup. Je travaille beaucoup sur ça, que sur la finalité, s'ils vont réellement fabriquer une bombe de graines ou pas, ou combien de bombes ils vont fabriquer jusqu'à la fin de l'atelier. Cette transmission, elle euh... à ou la technique. Exactement, exactement. Et surtout, ça se passe vraiment de manière complète. Complètement horizontal. Donc très souvent, euh, a, je vais lancer un sujet un peu provoque mm -hmm. comme ça sur un temps euh, mm -hmm. outrageux, interrogatoire, euh, et Nakashkunand mm -hmm. a une bribe de réponse à notre qui il euh, taille relance. L'air il pose des questions. On dit dire que le complètement mm -hmm. absurde, parachuté. L'autre, il va le reprendre. Mm -hmm. Et donc ça se passe avec mm -hmm. un tel naturel, ils ont quasiment plus besoin de moi les enfants. Mm -hmm. Ils sont géniaux, ils sont en autogestion. Il y en a un certainement qui va compléter l'information de l'autre et ça circule comme ça, de la manière la plus idéale qui soit. Donc voilà, en fait, on, donc on a aussi l'occasion d'aborder d'une manière. Tout au long, juste un exemple, mais sur tous les ateliers, en fait, on fait ça, d'aborder un peu le problème de changement climatique, euh, la fonte des glaces, euh, etc., des problèmes d'extinction des animaux. Euh, on voit disparition, l'ours polaire, la baleine bleue, la tortue, etc., aquatique. Et, euh, mais euh, je tiens tout le temps à, à faire ça d'une manière qui soit festive et joyeuse, mmh. qui ne soit pas alarmiste. Ouais, ouais, parce que ouais, le but. Ouais, ouais. On a sauté une génération, mais le but c'est que, qu'on fasse pas une génération de dépressifs. Mm. Qui sont dans le fatalisme, mm. la planète, elle est foutue, oufina, mshina, ou manage mon amour, ou hatchaï, à la Greta Thunberg, mm. avec tous mes respects pour oui, cette jeune fille. C'est hein. mm. ça, en mm. fait. Mm. Le but, mm. c'est vraiment essayer de faire autrement, des, des citoyens, des humains conscients. Oui. Oui. joyeusement, on peut le faire vraiment de manière nonchalante, festive, joyeuse, très très légère, mais très sérieuse. Hein, mm. Enfant qui fabrique une cinquantaine de bombes de graines tout en racontant euh, mmh. tout et n'importe mmh. quoi mmh. et en faisant passer des informations très importantes. Alors il y en a peut-être un ou deux autour de la table de dix euh, qui a déjà jeté un papier ou voilà, un emballage de chocolat. Mais en entendant tout ce qui se passe, moi, je sais qu'il ne va plus le faire. Même si on n'a pas dit explicitement, il ne faut pas salir, il ne faut pas détruire, il ne faut pas jeter par terre, je sais qu'il y en a un qui a déjà fait et qu'il ne le fera plus parce qu'il sait à quel point c'est chouette, c'est génial, on est tous là pour une cause commune, tous ensemble, Manata. Faut ma que quelle joie, l'euphorie du travail collectif, de passe-moi l'arrosoir, de non, attends, tu as mis trop d'eau, attends, je vais t'aider. C'est ça, en fait. والله انا نذكر وقتها جيت طليت عليكم بينات الحاجات اللي اللي حسيت بها جوست من الاول سي يا اون اون سونساسيون دو ليبرتي يعني تحس الصغار ينجموا يعملوا اللي يحبوا ينجموا يقولوا اللي يحبوا ما ثماش قايد لاين واضح ما ثماش حاجه Donc, ça nous fait ramener un peu à la notion de la liberté dans la pédagogie, qui est importante. C'est-à-dire que les jeunes doivent avoir la possibilité de faire en quelque sorte sur les choses qu'ils aiment. Alors, je vais commenter en, en d'abord m'orientant à parce que je pense que la liberté est une condition sine qua non pour l'accomplissement de l'humain. Kbir ou la petit. Maintenant, jamais je ne suis pas حبوس مكبل أنت و tu t'apprends, tu ne vas pas t'apprendre, et tu ne vas pas être فرحان impossible. Sauf que la liberté, ça elle doit être comment dire pas réglementée, mais cadrée. Donc Mouloul, je me suis pas mal craché, j'avais des enfants qui s'étaient euh partaient dans tous les sens, n'avaient aucun intérêt à ce qui se passait autour de la table. Euh, dès qu'ils ont euh, l'espace et la marge, euh, ils partaient en courant. C'était du grand n'importe quoi, la liberté de dire des méchancetés aussi, euh, la liberté de faire ce qui est interdit à la maison. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai traversé un grand mouvement de réflexion jusqu'à ce que je tombe sur des penseurs et aussi sur des collaborateurs Ils disent que la liberté avec un enfant, elle doit être cadrée. Je m'arrête à cadrer. Moi, je kiffe dans un système carcéral, mais un cadre sécurisant. Je suis là, je suis garante de votre sécurité. Alors, pour que moi, je puisse garantir votre sécurité, il y a quelques règles à respecter. Alors, selon moi, je suis intransigeante sur ça, ça, ça. Par contre, pour les autres, on va les mettre ensemble. Et ce qu'on a fait, c'est on a créé avec les enfants des outils où, au euh, moment, ils, euh, ils mettent les règles. Donc, quand les enfants, eux-mêmes, ils ont mis les règles, on a toute une manetta, palette de comportements. Anodin, quotidien, normaux, genre, euh, chanter, marcher, euh, s'asseoir, euh, s'isoler, etc. Et eux, ils doivent les mettre euh, sur du plus encourage, enfin, du plus plus au oh, moins moins, en fait. On a essayé de ne pas faire un découpage manichéen de Hajet li Behya ou Hajet el khayba, Parce que tout est en mm. relatif. Euh, voilà. Marcher, c'est bien, dans l'absolu, mais marcher, euh, je ne sais pas, dans un concert de musique classique, c'est. <laughs> Ces moyens, ce n'est pas très encouragé généralement. Donc voilà. Et ils les mettent. Quand eux-mêmes, ils mettent les règles, généralement, ils sont plus à même de les respecter. Donc ils peuvent être libres dans les limites cadrées par eux-mêmes. Quand il y a quelqu'un qui s'écarte, dont il fait quelque chose qui puisse porter préjudice à un autre, notamment, il y a les autres qui vont le rappeler à l'ordre et d'une manière très spontanée. Très bon enfant, miche, arrogante et j'aime le fourre de la part d'un adulte et c'est respecté. Très très vite ça prend place, ben, tu cette dynamique. Et euh, oui, donc ils sont libres, ils sont libres parce qu'ils connaissent leurs limites. Et ils savent pourquoi cette limite, elle est là. On en parle, yani, courir euh, c'est moyen, bon, c'est pas complètement négatif, ils savent qu'ils peuvent courir, mais ils savent c'est quoi la limite de courir. Mmh. Parce que tu peux pousser mmh. quelqu'un, tu peux te trébucher, tu peux te faire très mal. Et même si ça, ça arrive, est-ce que c'est grave Donc, moyennant, plus ou moins grave, là, on en discute, parce que ça peut finir à l'hôpital. Mais si c'est un petit bobo, ça va, j'ai des pansements, j'ai un désinfectant, tu vois. Donc, euh, il, il est mis comme ça, et ils savent pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non, et pourquoi il y a toute cette palette de nuances. Yannita Kemazir, comme étant un humain tout entier. D'égal à égal, bien D'égal sûr. à égal, oui. Hein. Oui, oui. On est dans un décalage de génération, les petits, les petits. C'est quelque chose de moins. Un humain en devenir quelque chose. Quelque chose en attente de ah. euh, validation. <rit> <rit> Langage, quand jeune, et j'étais j'étais là, J'étais un être manquant. Ok, Encore aujourd'hui, à 37 ans, J'apprends encore. Je veux dire, mais j'attendrai pas de grandir pour avoir l'aval de quelque chose, quoi. Et euh, oui, on doit impérativement. Je pense ça, c'est vital. Pour la santé mentale de nos enfants, Ananram, à égal C'est des êtres humains à part entière. Ils sont doués d'une réflexion qui peut être vraiment très très profonde, qui peuvent l'exprimer avec des moyens tellement faciles mais tellement euh, pénétrants. Il faut vraiment leur donner la possibilité de, de, de dire ce qu'ils pensent. Et puis, de les nous, hey, hum, de les écouter hum, réellement. Hum, hum. Les écouter, moi je suis dans la pseudo-indulgence de l'adulte compréhensif, cest à a tous eu une tata-gaga dans la famille. <coughs> 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 on doit réellement entrer dans une dynamique <coughs> d'écoute <de> réflexive. <coughs> tu réellement, réellement, où tu interagis concrètement, mmh. comment je peux t'aider D'accord, j'ai compris ton problème, ce que tu me dis, tu reformules à ta manière pour avoir sa validation, si tu as bien compris ou pas. Et d'accord, et maintenant, comment je peux t'aider Qu'est-ce que tu me demandes mmh. Qu'est-ce que tu proposes mmh. Est-ce que tu veux qu'on aille le voir ensemble Est-ce que tu veux aller le faire et moi, je suis là au cas où ils sont nés, on, nous les humains tous, on est nés avec des outils d'extrême intelligence. Ai, si on est là sur cette planète à la dominer, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas en devenant adulte qu'on est devenu plus intelligent. Je veux dire, on est nés jamais euh, pensé à ça <laughs> On est vraiment très intelligent, on est doué, mais il faut juste que... Des gens mmh. nous fassent confiance, mmh. nous laissent mmh. une marge de manœuvre mmh. et nous respectent tel qu'on est, là hypertrophiés, là infantilisés. Mais, je pense que c'est le cas de l'entrepreneuriat de Toulouse. Il y a une tifiage plus ou moins innovante, donc euh, en contre-courant. Donc, Schneiel, euh, comment ça se passe Bon, comme euh, n'importe quelle euh, naissance d'un projet entrepreneurial, c'est très très compliqué, surtout si ça part d'une idée qui est quasi utopiste dans nos têtes, bah, une, un projet qui sort des tripes, pas une opportunité de faire mmh. un mmh. business lucratif. Mmh. Donc, la grande difficulté au départ, c'est euh, comment transformer un rêve en euh, un projet, et éventuellement avoir des salariés, et éventuellement avoir des C'est ça, en fait, ce que ça veut dire un, un business, un projet d'économie sociale et solidaire. Euh, donc, ça, cette phase de. Euh, maturation et de transformation des idées, ce qu'on appelle communément un business model. <laughs> C'était quelque chose qui me parlait très très peu, Marnatha, donc j'ai mis beaucoup de temps à intégrer comment je pouvais le faire sans pour autant compromettre les valeurs sociales et solidaires, écologiques et humanistes que je porte sans rentrer dans le besoin avec, le, la lucrativité, euh, exacerbée, de, de productivité, de, de la com, 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 growth, 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 mm. euh, chiffre, chiffre d'affaires, etc., les pitcher gagner des podiums, tout ça, hein, c'est très, très compliqué, et ça l'est encore. La il joue des crises de conscience de, euh, est-ce que c'est viable? Mmh. Est-ce que c'est viable de vivre de sa passion et de gagner sa vie dignement en faisant quelque chose qui soit quand même euh, assez, euh, assez spécifique et très limité, euh, je veux dire, sur. Euh, parce que l'Arche, quand même, elle, on a décidé, on a fini par décider de garder ça une entreprise à échelle humaine. Donc de ne pas aller dans le recrutement et dans le, clo le clonage et de mmh. faire mmh. des succursales et de expand, ouvrir. À partout et tout ça. Donc ça, c'était une décision très très dure à prendre. Euh, la deuxième chose qui est, en... non, troisième du coup, euh, qui est dure aussi, c'est, euh, c'est de, en fait, se résoudre à rester travailler sur un petit échantillon de bénéficiaires et de clientèle. Mmh. Donc on va souvent être taxé de élitiste a petite échelle à la châter, euh, ay, mouche, euh, yesser, yesser à la portée du euh, portefeuille tunisien euh, moyen euh, à châter, il est installé dans -bon le banlieue nord euh, ou à خاطر zeda euh, dans notre décision de rester à échelle humaine et pas passer à l'échelle industrielle ah. bah, notre capacité d'accueil mm. elle va toujours rester Modeste à la hâte, on préfère privilégier la qualité de l'expérience et de l'accueil sur la quantité. Tant qu'on va pas faire de la masse, on ne peut pas baisser nos coûts et accueillir plus, plus, et réduire nos frais plus, plus, et être accessible à plus, plus, plus de gens. C'est clair, c'est mathématique, il ne faut pas faire bac plus 5000 pour intégrer ça. Allez, je suis le bon nord à la khadr, qui m'a dit que la euh, c'est quand même une démarche qui est assez singulière. Euh, on a pas mal ramé au début pour, pour commercialiser, essayer d'aller pitcher, vendre, convaincre les gens du bien fondé et de ce projet, de ce qu'on faisait, du service, etc. Et, et donc, quand même, à la Banque le Nord, on a, on a notre clientèle qui est la plus facilement abordable. Euh, et donc on n'avait pas besoin de beaucoup plus d'efforts pour aller lever des fonds, pour aller chercher une autre cible de clients. pour moi, c'est une démarche pilote. Elle, elle doit se généraliser, mais elle ne tient pas à moi, à linda, ni pour le faire, ni à l'arche en tant que structure. Je n'ai pas le monopole de ça. Moi, je ne peux pas être partout. Et je ne veux pas que cette entreprise me phagocyte me, <laughs> et, et aller ouvrir des succursales à Sfax, à Gabes, à Kpali, à Tbarka, etc. Allez, je m'attarmel. Je dis, mais on dit, allez, je m'attarmel. Allez, je m'attarmel. Allez, je m'attarmel. Manage, mm. j'en qu ai qu'une vie. J'ai une famille aussi. Je veux dire, mm. da, ça va devenir malsain si je dis, euh, moi, aux petits humains. Qui fréquente mon club, qu'on doit être à l'écoute de nos besoins, qu'on doit rester connecté mmh. à la Terre, mmh. qu'on doit avoir nos radars mmh. ouverts et tout mmh. ça, ou une machine de travail qui travaille d'une manière mmh. effrénée pour apprendre mmh. quelque chose que je mmh. ne pratique mmh. plus. Il euh, y a une cohérence qui va être bafouillée. Aye, aye. Donc c'est donc très bizarre. Mmh. Donc mmh. euh, c'était des choix stratégiques, euh, commerciaux à faire, de s'installer ici, de travailler sur cette cible de deux. De, de, de. Euh, c'est un choix aussi qui a été imposé parce que je voulais pas badiner sur la qualité du service tel que je vais visualiser dans ma tête. Euh, après, hey, c'est assez restrictif. L'idée aussi, c'était de lever des fonds par... Des x y z, des fondations, des entreprises, des RSE et proposer gratuitement les services de l'arche mmh. auprès mmh. d'écoles, euh, mmh. établissements euh, mmh. publics, étatiques ou alors. C'était bourse hein, hein. Yannick. Hey, ouais. c'est ça. Il a domaine. Et non, c'est ça mon métier, Marata, ça y est, je fais plus mm. rien d'autre, c'est ça mon métier. Mm. Je ne mm. suis pas une philanthrope, je n'en ai pas les moyens de toute façon euh, pour aller offrir mes services gracieusement mm. comme mm. ça. Non, non, c'est mon travail et je tiens à ce qu'il soit respecté mm. et rémunéré à son juste titre, mm. son chipotage. Après, il y a moyen en fait de l'offrir gracieusement à certaines structures ou à certains mm. milieux. Moi, moi, non, il est monétisé mm. par d'autres structures mm. qui en ont les moyens. Mm. Il y a ça et j'ai eu l'occasion de le faire. Sauf que l'école étatique ne veut pas. Ou alors, euh... elle veut, mais elle sait pas. <laughs> bon, C'est bon, un, un autre... C'est un à très, très grand dossier. Euh, C'est euh, juste euh, pour euh, dire euh, que euh, la volonté, elle était là, en fait, euh, d'aller euh, bah, ouvrir d'autres horizons, proposer la même activité avec la même qualité, la même intensité dans d'autres milieux. Euh, mais oh. Donc, le trop d'entrepreneuriat euh, c'est pas évident. Mais euh, ça rate vraiment, c'est une guerre euh, contre les moulins avant, une guerre permanente contre les moulins avant. C'est un peu Don tu quichotte des temps modernes. Ça rate, tu te dis, je suis pas un peu mégalo des fois. Il m'arrive des trucs tellement improbables. Est-ce que je suis pas en train de les imaginer Tellement, j'ai complètement... Euh... Mm. Voilà. Eh hey oui, c'est passionnant la conversation avec. Euh, ah, fait, pareil, bon, Merci à toi pour euh, l'occasion. Euh, <laughs> je remercie koro les amis qui m'ont conseillé de venir avec. Bah, d'ana. Je koro de ma part aussi alors. Bah, euh, ben, bon courage. Ah, merci à euh, On on a fait un bel échange à l'éducation, à l'éducologie, à la, les concepts humanistes, à la, la pédagogie, ou à la, la passion. عندك غرام شد فيه للاخر وي oui. يفضلك عايشك ja, عايشك ميرسي بوكو عرفتي عايشك Amen.